Esprit de la lumière, détenteur de l'immense pouvoir illuminant partout notre monde. Je vous en prie, illuminez-nous de votre lumière salvatrice. Link, héros élu des déesses, prête-nous ce qu'il te reste de pouvoir. Je peux immobiliser Ganondorf avec mes flèches de lumière. Tu le vises tout en nous maintenant à portée d'arc. Je m'occupe du reste. Voilà une phase qui devrait rappeler légèrement quelque chose. Wow, ça commence très mal. Nous avons affronté le roi Bulbin d'une manière assez similaire, mais Ganondorf est déjà beaucoup plus complexe. Également, oula, le concept de Zelda qui nous soutient avec les flèches de lumière devrait rappeler encore quelque chose, un autre combat de fin contre un autre dans un autre jeu. Vas-y Zelda, feu! Zelda! Feu! Mais c'est pas vrai. Zelda, tu tires encore plus mal à l'arc que moi, hein. C'est peut-être moi qui bouge trop. Il va invoquer ces espèces de sphères d'ombre régulièrement qui invoque ses soldats. Ceux-ci sont très agaçants parce qu'ils peuvent vous faire tomber de votre monture. Mais idéalement, si vous parvenez à passer avant qu'ils ne vous touchent, vous ne devriez pas avoir problème. Alors non, je ne suis pas arrivé. La difficulté, c'est que s'il vous touche, Ganondorf va se permettre de s'arrêter et il va changer de direction immédiatement. Tire ! Feu ! Une fois que Ganondorf a été touché, vous pourrez l'atteindre et le placer un seul coup. Feu ! Raté. Il a tourné au dernier moment. Feu ! Zut ! Non ! Ah, c'est cheap, ça ! Il a réussi à caser sa maudite sphère d'énergie pile au moment où il a été touché. Et bien entendu, ça nous a touché. Ah ! C'est vraiment l'une des phases les plus irritantes, selon moi, puisque je trouve ça très, très, très mauvais en termes de design qu'il vous fasse tomber de la monture. Ouch ! Là encore, là je dis rien. Mais le fait que ces fantômes vous fassent tomber, je trouve ça assez agaçant parce que ça vous bloque. Non! Ah! Il est vraiment beaucoup plus costaud que cet imbécile de King Bulbin. Et Zelda a aussi beaucoup raté au tout début, monsieur. Il y a plusieurs reprises où elle aurait pu caser un bon nombre de tirs sans problème et où elle a raté bêtement. Mais idéalement, si vous parvenez à le toucher, ne fût-ce qu'une fois, après ça, vous pouvez facilement enchaîner les tirs sur lui et le tomber. Tu es adroit. Mais ce ne sera pas suffisant. Il est temps d'assouvir ce désir qui brûle en moi. Utiliser cette épée odieuse qui a mordu ma chair pour enfouir à jamais la lumière sous les ténèbres. Et oui, il est temps de l'affronter directement, en personne. Ganondorf, seigneur du mal. Ce combat, bien que très classe, est extrêmement facile. C'est l'un des combats les plus faciles du jeu et c'est quelque chose qui est souvent considéré... Comment j'ai eu le coup éclair alors que je n'étais pas du tout... Bon, pas avant.
C'est quelque chose qui est considéré comme l'une des faiblesses de ce combat. Mais je n'ai pas l'intention de le faire de la... avec les méthodes faciles. Pour le moment, vous voyez, bon, pour le moment, je ne vais pas vraiment de dégâts. Idéalement, il y a plusieurs manières de l'affronter. La plus cheap, c'est de rester collé contre lui et de tourner. Vous allez finir par vous retrouver derrière lui et vous pourrez lui balancer des coups. Ses coups sont tous arrêtés par le bouclier, ce qui est ridicule vu sa taille par rapport à la vôtre. Il fait quasiment le double de votre taille. Alors, il a des coups assez intéressants, mais il est extrêmement lent. Il existe d'autres méthodes, comme par exemple le fait de sauter derrière lui. Là, par contre, c'est vrai que je me suis laissé avoir comme un bleu. Vous pouvez aussi profiter des moments où il essaye de vous attaquer pour le frapper. Mais idéalement, si vous pouvez réussir à passer derrière lui correctement, comme là, par exemple, il ne peut pas faire grand-chose. Il a beaucoup de vie, cependant. Il a également deux autres trucs, mais j'aimerais montrer déjà celui-ci. Oui, je viens d'équiper la canne à pêche. Pour ceux qui l'ignorent, les devs adorent faire les andouilles avec ça. Là, vous voyez, il suit le... Ouch, ouais. Il suit l'hameçon. Voilà. Là, vous voyez, donc là, j'ai pu lui placer quelques coups. Vous pouvez essayer ça, c'est la méthode la plus cheap. Et celle-ci est l'autre méthode. Lorsque vous éloignez assez, il va essayer de vous foncer dessus. Et si vous lui faites une attaque sautée, vous pourrez vous mettre à faire un bouton de spam. Allez, 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 allez. Et à ce moment-là, vous pourrez lui taper dessus à volonté. C'est pas un boss dur du tout. J'ai pris beaucoup de dégâts simplement. Ah zut, je voulais pas le refaire, tant pis. Je voulais faire une esquive, mais... À nouveau, le jeu a tendance à prendre, mais... On va y aller un peu en mode bourrin, là, parce que je suis vraiment pas doué pour le button mashing. Mais bref, le combat est relativement long en soi. Alors, j'ai cru lire aussi que... Il vous punit si vous faites le coup de bouclier. Mais apparemment, pas tant que ça. Oh, purée. Normalement, j'aurais dû le déverrouiller avec Zen, mais bon. Donc ouais, pas un combat difficile du tout. Mais là j'essaye de le faire en mode un petit peu plus épique que simplement tourner autour de lui. Je sais pas quelles autres techniques j'ai en fait. Parce qu'il y a le coup à revers, il y a le brise-casque qui ne marche pas. Il y a la super attaque tourbillon, le coup éclair peut peut-être marcher. Ok. Ah ouais, faut que je... Ah non, faut pas que je le vise. Non, le coup éclair ne marche pas. Bah je sais pas trop ce qu'il nous reste. Le truc c'est qu'il a une portée énorme. J'adore aussi son arme. Mais à part ça, oui, vous avez les esquives. Vous avez les attaques sur le côté. Et c'est tout. Oh, il a une attaque tourbillon, tiens, c'est la première fois que je vois ce qu'il fait exactement avec ça. Mais c'est un combat très intéressant pour peu que vous essayez de ne pas utiliser nécessairement toujours les coups de shit. Allez, je sais que tu n'as presque plus de vie. Par contre, je pense que la majorité de vos coups ne valent rien. Enfin, la majorité de vos autres armes. Allez, charge-moi, charge-moi, charge-moi. Allez, fais pas ton. Tiens, on est blessé en touchant les parois. Bon, ben, c'est nouveau, j'ignorais. Bon, j'ai fait assez durer. Non, toujours pas. Waouh. T'as beaucoup plus de vie que ce que je croyais, mon gros. Mais man, je voulais... C'est là justement où j'aurais voulu pouvoir le charger dessus. Charge! Charge encore! Allez, arrête de faire ton... ton je suis trop fort. Charge-moi! Allez! T'es pas drôle, Ganondorf, hein. Parce que c'est comme ça. Flamme!
Qu'est-ce qu'il y a? Dis quelque chose. C'est ma beauté qui te laisse sans voix? Et ceci est la fin de The Legend of Zelda Twilight Princess. Enfin, pas totalement, il reste les deux vidéos bonus, mais vous voyez ce que je veux dire. En tant que tel, c'est un des Zelda qui a été le plus acclamé, en fait. C'est vraiment un Zelda très très apprécié et très très bon. De toute façon, enfin, j'espère avoir réussi à montrer qu'il est vraiment très sympathique à jouer. Je l'aime beaucoup, je le considère pas comme l'un des meilleurs Zelda, mais il est définitivement très haut dans la liste. Il est massif, beaucoup d'endroits où aller, beaucoup de contenu. Je regrette un petit peu la quête des âmes de spectre qui est quand même relativement mineure en comparaison de temps que vous devez y investir. Mais à part ça, oui, j'aime beaucoup. Alors, comme d'habitude, j'aime bien te parler un tout petit peu de la fin. Et ici, je dois admettre que, bien que, bon, le combat contre Ganondorf, j'admets que je l'ai fait durer un peu, en essayant de faire un peu n'importe quoi, j'ai essayé de caser mes techniques, etc. Mais, idéalement, il a beaucoup de vie, mais vous pouvez le terrasser simplement en tournant autour de lui à Ad Vitam Aeternam, mais, je vois pas l'intérêt, en fait. Si c'est cheap, autant éviter de l'utiliser. Mais peu importe. J'ai toujours eu du mal, tiens, le roi Bulbin, qui se balade dans la plaine, probablement pour se faire terrasser par le premier type qui passe. Vu qu'il sait pas se battre. Les deux seules fois où il m'a affronté au corps à corps, il a pas placé un coup, donc bon. Mais pour être plus sérieux, la fin en elle-même est vraiment très particulière. On peut d'ailleurs voir les fées dans la fontaine, là, dans la source, vu que j'ai fait la cave de Lord Ali, la caverne. Mais peu importe. Ici, les enfants qui repartent. Pour ce qui est de la fin, donc, j'ai toujours eu du mal à comprendre quelle était la représentation de Xanto. Normalement, il est mort, donc on peut partir du principe que c'est son esprit qui apparaît devant Ganondorf. Mais Ganondorf était dignement mort, parce que quand la Triforce est partie de sa main, c'était la représentation pure et simple que la vie l'abandonne. Il n'est plus vivant actuellement, il est mort. Je suppose que c'était pour représenter le dernier lien qui le reliait à la vie, à savoir la magie du crépuscule. Cette magie qui est morte, selon moi, donc avec Xanto. Parce qu'on voit Xanto qui fait une espèce de... qui craque son cou. Certains pensent qu'il se suicide pour briser ce lien et tuer Ganondorf, ayant été déçu de la manière dont son dieu a été vaincu. D'autres pensent que, enfin en tout cas moi je pense que c'est simplement pour représenter ce lien qui a été brisé par le fait que Midona a tué Xanto, et sans Xanto s'en va le dernier lien qui tient Ganondorf à la vie. Mais c'est à peu près tout. Je regrette que Ganondorf n'ait pas été davantage présent dans le jeu, dans le sens où on en entend parler à peu près vers la moitié, second tiers du jeu, quand on en arrive au F.U. Colin, bah, en passant d'ailleurs. Oui, épée, bouclier. Regardez ça, mais... Ah! Pourquoi vous lui avez donné une épée à bouclier? Il est trop petit, il peut même pas porter son épée, il sait pas comment on s'en sert. Il a dit qu'il aimait pas ces trucs. Ah! Freaking Colin. Oh, le prince Lars. Bref. Donc c'est vrai que Ganondorf apparaît genre 3 fois dans le jeu, dans le flashback des sages à la tour du jugement, dans le flashback de Xanto au palais du crépuscule quand il se rappelle la rencontre avec son dieu, et à la fin tout simplement. Donc c'est vrai que j'aurais apprécié qu'il ait un rôle plus présent, qu'il y ait des informations sur lui. J'aurais apprécié aussi que la caverne de Lord Ali possède un petit peu d'informations, d'histoires, d'éléments, pour qu'on puisse au moins avoir quelques informations, des données quoi sur Ganondorf, qu'on puisse deviner potentiellement qu'il a été impliqué là-dedans. Mais à part ça, bon, ça reste selon moi un excellent jeu. Bon contrôle si on accepte la charge bouclier qui ne sert à rien. Je continue de ne pas comprendre quelle est l'utilité de cette charge dont 90% des ennemis importants sont immunisés. Ganondorf s'en fichait. Les Dark Nuts y étaient immunisés. Même les Lysalfos cuirassés y étaient immunisés. En fait, il n'y a que les ennemis que vous pouvez tuer facilement qui la craignent, mais ça sert à rien, vous pouvez les vaincre sans. Et les statues de Xanto, enfin, les bouches de Xanto, comme je les ai appelées, les masques. Donc bon. Également, c'était la première fois que j'arrivais à finir ce jeu, techniquement à 100%. À nouveau, je mets de côté les poissons qui sont pour moi un aspect totalement optionnel.
puisque j'ai réussi à avoir toutes les âmes de spectre, tous les fragments de cœur, donc je suis désormais le vainqueur de ce jeu, si on peut dire. Tous les insectes, le carquois, et ainsi de suite. Donc là, on voit d'ailleurs Jed avec Ash qui sont en train d'explorer les ruines. C'est d'ailleurs important qu'ils les montrent, parce que pour rappel, ils étaient dans le château, et celui-ci, il a un peu explosé à la fin. Donc bon. Les enfants qui reviennent enfin au village, c'était après tout ce qui nous avait poussé à en sortir. Ça et le fait aussi qu'on a été maudit et qu'on est transformé en loup. Donc bon. Et puis Midona, je dois admettre que Midona, je la préfère amplement dans son aspect diablotin que dans son aspect femme du crépuscule, mais c'est juste moi. Donc voilà. J'espère que vous aurez réussi à avoir un minimum de plaisir en regardant ces vidéos, que vous n'aurez pas trop pleuré ou que vous ne vous serez pas pendu devant mes ratages un peu trop constants. Et que, éventuellement, je vous aurais donné peut-être potentiellement envie de tester ce jeu qui est vraiment énorme. Donc là-dessus, je pense que je vous retrouverai une autre fois pour un autre Let's Play. Donc d'ici là, ciao! This just me pop again. Happy baby pop. When we do that again. Spread with the world. With this new death. Get your new spot. Peace.